Merci à la caméra, c'est Jacopo, il est enfin arrivé. Direction la salle, on va lui faire découvrir ça. Déjà ce matin, il a testé le petit déj. T'as kiffé? Oui, j'ai kiffé. Oui. Ouais, la salade de bon matin. La salade, ça fait du bien. La salade de la Macédoine. Je vais prendre des poissons demain. Là, on est toujours à Tokyo dans un quartier d'affaires. Donc, nous, notre hôtel, il est plus dans les quartiers d'affaires parce qu'on est des mecs dans les affaires, quoi. Non, parce qu'on s'est trompé. Mais tu vas voir, cet après-midi, ça bouge de ouf. On va aller. On s'entraîne, on travaille tranquillement le matin et l'après-midi, on profite. Parfait, j'ai hâte. Ouais, je veux dire en avant-première. On est en train d'écrire. Bon, on verra si on est ou pas. Arrête. Vous voyez, tu sais, il faisait des petits regards en scred. On est en train d'écrire deux séries et une sitcom. Très très simple. Oui, je savais même pas, moi. Comme ça, il m'a fait. Okay. Ah bon. Ok. J'ai découvert le premier cheveu blanc de PJ aussi avant-hier. Ok, la sitcom, ok, mais oh, franchement, je vais avoir. Bon, après, je dis pas parce que je vais être vieux. Mais putain, cheveux blancs. Je dis arrache-le ce bâtard. Et genre il croyait, il m'a dit non mais moi je croyais que c'était un petit. Non il était. Ouais en vrai moi il était comme mec, épais comme mon doigt. C'est enculé, putain. Pour les jeter, toujours ma playlist à fond dans les oreilles, la playlist Spotify. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, à vous abonner à la playlist. Et s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire des idées de sons que je peux rajouter. Là, j'ai des sons à rajouter. Donc dites-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Ok, après les tractions pronation, je passais au rowing. Donc moi je vais le faire en prise supination, sentir un petit peu plus les biceps, les avant-bras. Faut bien sûr le faire en pronation. Et même dans le training motion, n'hésitez pas à varier de temps en temps, c'est pas mal. Ce que je voulais vous dire, là je mets pas les bandes, parce que je mets plus léger, je fais après les tractions. Si vous prenez très lourd, n'hésitez pas à mettre les bandes, sauf que du coup bien sûr vous sentez plus les avant-bras. Donc je crois qu'Alex il m'a déjà dit plusieurs fois, mais pensez à faire avec et avec sans, tu l'as déjà dit. Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Mais on le répète, hein, pour ceux qui regardent dans le vlog, j'ai un panier. Sinon, bien sûr, vous ne travaillez pas les avant-bras, donc voilà, de temps en temps, mettez un peu moins lourd et faites ça en les temps. Maintenant on passe au tirage horizontal, normalement on voit aussi ce patate de la même machine, donc j'ai monté un peu plus le siège pour bien tirer au niveau du lambris.
Ça fait partie du train 8 demi, ça. On s'adapte, du coup. Ça va bien? Ouais. Là, d'accord. Non, mais il fallait mettre un peu sur pause. Donc, PJ pose. Toujours la même. Vas-y. Bouche semi-ouverte. Langue reposée. Bon, tout de suite après la salle, on est sorti pour aller manger. On s'est dit, bon, ça fait longtemps qu'on mange du poisson, nous, avec pêche, depuis qu'on est là. On s'est dit, on veut manger un peu de viande. On est passé devant un barbecue avec plein de pièces de viande, ça donnait super envie. En fait, quand on arrive, on regarde la carte, il n'y a que des trucs chelous. La langue, le cœur, estomac, petit intestin, gros intestin. Et je sais pas si on va devoir faire pareil, mais ils ont tous une bavette. Je peux filmer derrière, ils ont tous une grosse bavette blanche affichée au cou. Donc on en a demandé une pour Jacopo. Ouais. En fait, nous aussi on a la bavette si on veut. Mettez ça pour l'attacher derrière, bien sûr. Comme ça, vous êtes serein. He shot me down, bang bang. I hit the ground, bang bang. That awful sound. Bang bang, my baby shot me down. Bon, c'est parti, on va goûter avec Jacopo. On a pris la même chose, c'est du bœuf, du riz, un jaune d'œuf et quelques légumes, mais je sais pas ce que c'est. Et toi, Alex? Moi, il y a des œufs, soja, légumes, riz et un peu de bœuf, je crois. D'accord. C'est très, et des trucs, que je ne connais pas. C'est très très chaud, mais c'est bon. Bon appétit alors. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Como te sando. Como te sando. Sûr? Ouais, j'ai quelques bases de japonais. Tu confirmes? Ah, bien sûr, couramment. Donc là, on est sur Como te sando. L'accent, l'accent. Como te sando. Voilà. Et on va visiter, à ce qui paraît, c'est sympa de regarder les gens, il y a des gens excentriques, il y a des gros styles ici. On vient prendre un peu de... Tu vois? Pour Hades. S'inspirer. Il vient s'inspirer. Bon, on a marché au moins 15-20 km, donc du coup, petite pause, une glace pour récupérer Ben & Jerry's. Et un café pour Jacopo. Ben & Jerry's, c'est spécialité japonaise. Ouais. Non, du nord du Japon. Bon, on est dans un temple, on est en train de faire des photos. Et Alex, il parlait avec le japonais, il lui a fait quelques photos donc avec son appareil à lui. Le mec, il lui donnait des consignes, mais en japonais. Donc je suis pas sûr qu'il ait bien compris. Ça fait 8 fois qu'il lui dit de refaire la photo. Bon matin, nouvelle journée. Hier on a fini assez tard et on a mangé des pizzas, c'était au top du top. On pouvait pas vous filmer ça parce qu'on avait plus de batterie. On est à Tokyo. Disneyland. 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 You know? Donald. Ton préféré c'est Donald alors? Ouais. Et ça m'a surpris. Je me suis dit, il est vraiment con. Bah allez, vas-y. Première attraction, Star Tour dans l'ambiance. On a pris les fast-pass pour Space Mountain. On est bien.
T'es content? Oui, très content. C'était mon rêve d'enfant de venir à Disneyland. C'est vrai à ce point-là? Oui. Surtout à Tokyo. Je suis jamais allé. Toi, t'es content? Ouais, ça va. C'est quoi l'attraction que tu rêves de faire? À Disneyland? Ouais. Ouais, celle qui fait le plus flipper. Je sais pas si c'est laquelle. J'ai vu, il y a les tasses. Ah ouais, les tasses là? Ouais, c'est bien ça. Et toi, Jacopo? Et Indiana Jones, j'aimerais bien. Putain, depuis qu'on est arrivé, nous dit ça. Je veux faire Indiana Jones. On va le faire, on va le faire. Très fan, Indiana Jones. On a assez de lumière. Là, là t'es beau gosse. Là, c'est bien. En plus, tu brilles pas. Ah non? En fait, il y a les personnages de Star Wars qui parlent en japonais. Et moi, je pensais qu'ils parlaient au moins en italien ou. En anglais, non? Au moins. Alors, chez Room Optical, on les fait pas celle-là? Excusez-moi, vous avez pas un autre modèle? Ça me va pas trop au visage, ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien un peu plus rond, s'il vous plaît. C'est possible? Est-ce que c'est possible? Ça me fait chier, quoi. Bon, première attraction, c'était pas mal, c'était en 3D. Quelques petites sensations pour se réveiller. T'as aimé? Ouais, ça va, ça va. Heureusement qu'on n'a pas fait la queue quand même. C'est pas la folie, c'est pas mal. C'est le même qu'en Europe, on n'a pas compris l'histoire, mais. Mais Jacopo, j'ai senti qu'il avait eu des petits guillis dans le ventre. Mais c'est filmé, ça se voit pas très bien, mais ça criait là-bas. T'as dit quoi? Bah, Jacopo, hein. T'as pas compris l'histoire? Ouais, il y avait une histoire, ils expliquaient, mais bon, c'était en japonais. Ouais, c'était en japonais, et en plus, on connaît pas Star Wars, donc. J'essaie de filmer parce que les japonais, japonaises, ça les surprenait, il y avait 2-3 cris, c'était marrant. Bon, après beaucoup d'attractions, on en a déjà fait une, consécutivement. On s'est dit quand même qu'on s'arrête manger, on va être en perte. Un croc, 8 mettez-moi, euros. Mettez-moi en 10, 10 autres s'il vous plaît. J'ai senti le truc, je dis je vais prendre une pizza en plus. Mais c'est pareil, c'est des pizzas pizza un croc. Ouais. Je suis pas con moi. Et les tiramisu. Il est mignon. Bien digéré. Space Mountain. Normal, bien se sentir. Space Mountain. J'ai peur. Non. Non. J'ai pas mis ce bâtard là. Tu t'es pris une fessée? Non. Si, tu t'es pris une fessée. Nouveau. Le mec il a mis une fessée à Jacopo avec sa. On passe. Grosse attraction. Jacopo il a insisté pour faire ça. Il a failli pleurer. Faire du canoë autour du petit lac. C'est beau. C'est dans l'eau. C'est beau. C'est épaisant. Entre hommes. C'est épaisant. Allez! Bon, nous on a un beau fignon, on a un peu. Oh, la meuf elle donne sa live. Tout seul. Ah, c'est à nous! Oh, ouais. On essaye de tracer un peu. Putain, le petit devant, je sens qu'il va me tremper. Oh. Ah, j'avoue, c'est une bonne idée, c'est marrant. Je me régale! Moi? Ouais, toi tu te fous de la gueule des gens gros, c'est pas bien. Finalement il y a la meuf avec le chimique. Il a la meuf de la meilleure fois que j'étais au collège. Montre, essaye de montrer en secret. Elle est derrière moi. Vous voyez? Est-ce que vous la voyez? Voilà. Hey, 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 hey. Je suis concentré. Hey, hey, hey. Jacopo il a demandé si c'était des vrais. Je sais pas. Des loin. Eh hey, mais je crois qu'il est en train de bouger. Ah, et bouge les oreilles. Il a bougé un peu. C'est quoi Jacopo l'endroit là? C'est épaisant. Apaisant. Apaisant. Il nous a dit regardez c'est beau quand même où je vous ai emmené, c'est épaisant hein. Les gars, c'est beau hein. Bah, je crois que c'est une vraie maison et des gens qui habitent dedans. Il y a des cramés. Là, il y a des grosses sensations. Ça va.